Alors, l'engagement de Decathlon, en fait, sur l'environnement est assez, assez ancien. Et le but de l'affichage, en fait, a été de mettre en valeur la démarche environnementale auprès de nos utilisateurs pour pouvoir aussi les impliquer. Les résultats, tout d'abord, nous avons déjà 1500 produits qui sont évalués. Donc, ça représente 30% de notre offre sur le textile, la confection lourde et la chaussure. Les premiers enseignements, on a pu se rendre compte que vraiment, il y a des attentes de nos clients sur le sujet. Et du coup, ça nous a vraiment permis de nous conforter là-dedans et de continuer la démarche. Affichage environnemental volontaire ou obligatoire, en fait, ce n'est pas vraiment la question. La question est plutôt de se dire quand est-ce que celui-ci va être obligatoire et qui va nous le rendre obligatoire. Donc d'une part, cette obligation, elle sera soit législative via la France ou l'Europe, ou ça sera vraiment nos clients qui vont nous le rendre obligatoire en nous demandant en fait quel est l'impact des produits tout simplement et en développant ce besoin vis-à-vis de nous.